dans tête un petit groupe employé pour faire des ordres suite avec audit Capmanin sous gestion tout ancien président institution hein. D'après Fritz Robert Saint-Paul activité au tableau reprendre lundi 10 avril l'an jeudi ah, mais avec un effectif réduit d'après conseiller Ganito François reportage. Dans la Cour des comptes, situation en assemblée vine plus grave chaque jour qui fait jour. Ni fonctionnaire, ni conseiller, y'a pas encore jamais qu'arrivé en temps sur un pi bon formule pour ta permettre activité ou reprendre comme ça doit. Alors que vice-président CSCCA, Jean-Ariel Joseph, a cherché justifier notre ça qui fait quoi, activité ou après prendre lundi 10 avril là. Mais avec un effectif réduit, syndicaliste Soubo Payo continue à dénoncer manœuvre il dit qu'a fait pour ta mettre au dehors dans l'institution. Personnel réduit ça n'a pas les pour faire le travail, ça va veut dire que le reste personnel là, c'est révoqué ou révoqué, c'est pas ça lié. Le reste personnel là, là continue à percevoir chèque. C'est fonctionnaire de la Cour des comptes, c'est agent fonction publique. Yo, on a une bague machine pour faire le travail, on utilise ça, pour capable de l'aide de faire parce qu'on est privé en retard. Non, il faut que ça finisse parce que tête couleur l'a coupé, même quel qu'on n'est pas capable. Il n'y a pas un secret pour personne, la Cour des comptes pas qu'arrivé fonctionner depuis environ deux semaines à cause mouvement protestation fonctionnaire qui pas jamais cessé. Jusqu'à présent, l'Assemblée pas qu'on ait aucune solution qui envisagée. Mais qui l'est mouvement protestation, ça a été démarré, M. Fritz Robert Saint-Paul. Il commençait à partir d'une réunion du Conseil dernièrement, parce que l'ancien président Cour des comptes qui demandait des charges de gestion. Et une résolution prend, c'est que faut Cour des comptes, les juger compte. Tout ancien président pour des comptes, y compris moi-même qui est président pour des comptes. Et bien à partir de là, il y a mon qui est président pour des comptes, qui ont des dossiers accablés sur eux. Et bien mon ça, c'est eux-mêmes qui téléguidés, des gens qui devraient ou pas y en éboulouer avec Cour des comptes. D'après syndicaliste, la Cour des comptes, il y a 60 000 dollars américains qui t'a utilisé pour payer service aux compagnies sécurité privée. Yon information vice-président la Cour des comptes l'a démenti. Jean-Ariel Joseph indexé quelques personnalités qui t'a derrière des Massayo qui visait déstabiliser la Cour supérieure des comptes. Il y a 60 000 dollars pour le payer en sécurité, pas sécurité. On a une sécurité là, mes amis. 30 machines, en l'espace de 2 ans, prime de 100 000 routes chaque an. Il y a comme prime. Le contrat, ça a eu 60 000 dollars américains par mois, c'est 250 000 gouttes liées par mois. Et le contrat, ça, c'est 10 agents que la compagnie de sécurité a mis à disposition pour des comptes, 10 agents qui travaillent la nuit. En tout cas, jusqu'à moment n'a parlé là, malgré fonctionnaire la Cour des comptes, il prend la rue pour dénoncer non seulement la corruption qui est dans la boîte là, mais exiger une plus bonne condition de travail, pas qu'il n'y ait aucune solution qui est envisagée. Nous obligés tant de semaine prochaine pour nous connaître qui m'aise. Conseiller au bras le prend, il y a une façon pour permettre l'activité de reprendre comme ça doit dans la Cour des comptes. Ganito François, Caraïbe FM. Merci Galito François, les des trois policiers qui nous ont été événement, n'a pas expliqué. Et ils ont été trois nègres. Trois nègres, ça yo, c'est trois nègres, trois bambouchés. J'en ai des bambouches, ça yo, j'en ai des mounes, ça yo. Et mon café l'argent, et bon, pense que yon nègres a plevé, nan le nou levé à la. Laissez cache la lagué, ça la plagué nan menou. Pour nous voir payer l'école, moi-même, faut que moi change, yo connais, gen d'autres mères. Alors, t'as pas à le prendre là pour faire une nuit. A boire gros whisky comme ça. Chaque nègre a une bouteille whisky. Combien de bouteilles whisky ça au man? Et oui, bouteille qui n'a 150, 200 dollars. Et puis, ou un nègre là? Là, avec Kepli, nous une bouteille whisky. Et puis, lit tout ou ni. Bon, ou pas son nègre, il est dit fait cop. D'abord, mais le policier a dit, t'as laissé, il m'a donné un nègre. Et vin pas moins non. Alors, toi, l'autre vini. Il dit là, nous pas fait Babylone. Ouais. C'est dans là, nous y est là, et plaisir, nous n'apprend, nous pas invité Babylone. Parce que nous-mêmes, n'a pas géré tête nous là. Les policiers ont obligé d'aller rapide. Okay. Si on était, café ou café ou lakma. Voilà. Mon pays, côté, la Cour des comptes mérite audit. La Cour des comptes qui a fait audit sur le monde. La Cour des comptes qui vous baille moun arrête des bains. La Cour des comptes qui vous baille moun qui dit qui est-ce qui est-ce. Ils ont demandé pour auditer la Cour des comptes. Oui. La Cour des comptes. Nous avons besoin de juge. Nous avons besoin de juge pour le pays. Mais il ne faut qu'il n'y ait pas ni fille ni garçon. Oui. Et on était dans la Cour des comptes toujours à gagner donc qui prévoit tant mais là il y a une réforme globale dans l'institution pour permettre employer cadio gagner bon gens outils dans meilleur pour arriver faire travail comme ça droit d'après vice-président conseil agent Ariel Henry dans sens ça il y a une séance formation qui a duré deux semaines qui tant même pour tout fonctionnaire à la cour ça cap aider ou bien permettre fonctionnaire produire rapport audit sans problème d'après Jean Ariel Henry qui est dans micro Ganito François.
nous avons un processus de réforme pour nous remédier à la situation. Ça, nous avons mis tout employé, tout cadre dans la formation. C'est la raison ça fait. Première étape de réforme, ah, oui. C'est formation. Le président s'est signalé que depuis 2016, employé en formation. Nous commençons la formation depuis mai 2016 et formation n'a pas jamais été. Actuellement, là, nous avons 150 agents vérificateurs et contrôleurs qui en formation. Et l'ENS formation, c'est pour séminaire, 3-4 jours nous fait. C'est une formation certificative. Côté nous évaluer, les apprentis, nous prenons formation pendant 15 jours ouvrables, 3 semaines pendant 15 jours ouvrables. Et puis après nous évaluer à la sortie pour nous avoir un certain niveau, pour au moins les bons rapports d'audit, pour avoir ça, son rapport qui est fiable, son rapport qui est valable. Donc il y a une formation. Et ceci, formation, ça ne va pas préserver seulement à des agents vérificateurs ou bien contrôleurs. C'est une formation qui a été donnée à greffier nous. C'est une formation qui a été donnée à tout l'autre agent, à même des techniciens qui a été donnée. Et maintenant, les 9 départements, côté nous gagnons un bureau régional, dans chaque département, ça y est, formation, ça y est, l'a touché, tout 9 départements, ça y est, tout. Et ensuite, et même des techniciens. Parce que nous connaissons la cour des comptes pour le déplacer là, hein, peut-être dans un an et demi ou deux ans, pendant notre bâtiment, mais on est obligé de former des techniciens en plomberie, on est obligé de faire formation, des climatisations, on est obligé de service ménagerie qui a un niveau, donc tout le monde en formation. Tout le monde en formation, donc ce n'est pas nous pas le débarrasser nous de nous, sous prétexte que nous n'avons pas besoin, non, c'est pas ça. Mais pour entrer dans une logique de formation, il faut accepter une bonne formation, il faut accepter un travail, il faut comprendre. Orientation réforme, non, c'est pas une réforme pour craser le cours des comptes, au contraire, c'est une réforme pour transformer le cours des comptes. Et ensuite, on a dit rapidement que, là, nous signaler que personnel réduit, on va venir dire que le service va venir du tout, non, c'est progressivement, tout service a là pour le travail. Si on va ménager, comme on va ménager pour aller tout à fait dans le bâtiment, comment on va faire entrer, si l'électricité n'est pas là pour le service technique, si le plombier n'est pas là, comment on va faire fonctionner, non. Progressivement après les jours, un monde réduit jusqu'à ce que nous rapatrions tout le monde qui n'a pas des comptes pour reprendre le travail normalement pour qu'on reprenne le fonctionnement normal. C'est ça qui est l'objectif de notre sortie. C'est plutôt Jean-Ariel Joseph, un membre, un conseiller de la Cour des comptes. Voilà, donc puis a gagné commission travaux publics la communication Sénat qui est rencontré avec le ministre PTC en Friscayo et directeur général qu'on appelle Jean-Marie Altema pour questionner sous fonctionnement compagnie téléphonique Natcom qui a opéré dans le pays. Président commission sénateur Hervé Foucan dans l'occasion dénoncer fonctionnement Natcom lui dit qui pas respecter rélevance envers l'État haïtien qui c'est un actionnaire compagnon. Hervé Foucan, dans le micro, Winchel Adrien. Nous avons commencé par attendre des doléances en série d'autorités depuis l'année passée, Cap Dino, qui fait nous comprendre que Natcom pas chambay ou bout de dividende by l'État haïtien. Kounyan, nous reprenons le dossier Natcom là en main, nous travaillons sur le dossier Natcom là. Le réalise qu'on commence à travailler sur le dossier Natcom là, nous trouvons Natcom dans toute magouille qui gagne. Nous disons bien dans toute magouille qui gagne depuis dans 24 lits de privé visa appel téléphonique qui l'a fait bypass. Et c'est peut-être ça journée aujourd'hui à nous prenons directeur, nous décidons aller directeur à ça, c'est directeur semaine lundi, hein, l'État de Natcom a vérifié tout ce qui est gagné dedans pour le cas porter un résultat bon moins dans quatre figures que moi je fais qu'on est que CDR truqué que Natcom a bien mauvais renseignement sous données et l'organe de tout Natcom pas jamais fait déclaration par l'État haïtien que mes cobles l'entrée dans appel entrant, mes cobles l'entrée dans la poula, tout cobles l'entrée en américain, nous pas ou compte américain que compte Natcom, tout compte Natcom sans good. Nous pas gon coup de pignon à l'étranger côté le recevoir tel comme côté le recevoir et nous gagnons des confidences en donnant comme nous-mêmes qui fait nous connaître que Natcom a fait bypass et pour cela nous avons convoqué et nous commençons son travail avec ministre ensemble avec directeur général là pour nous voir qui côté nous va laisser coincer parce que Natcom et qu'on a tel goussé de moyens qui pas à la disposition pour qu'approuver ça parce que nous t'ai convoqué gouverneur t'ai dit que des goussé de détails que le pas gagner que le pas porter pour moi Natcom c'est plus que corruption parce que même ça qui passe en dans Natcom sérieux il va mettre qu'un employé haïtien il commence même à retirer employé haïtien qui ont en plus près qui ca condonner qui ca bail donner pas gros emploi en dans Natcom là qui haïtien qui a droit de signature sur aucun dossier là la fait comme on dit même comme on dit truqué il gagne pas deuxième mais que la pote est venue pour nous
et puis le faire comprendre c'est appareil neuf lié. L'État haïtien lycée actionné à travers l'RH. Est-ce que c'est vous-même qui dit mon petit éventuel par le dividende? Oui, positif, l'un des recevoir gouverneur dit ne faut pas recevoir aucun dividende. Ça gagne ça au moins comme tu recevoir gouverneur dit il va recevoir aucun dividende de la Natcom. Et une question que me demandait pour qui ça? Pour ce même soit actionnaire donc compagnie ou te mettre sur 1% sous un droit de contrôle et 1% permet de droit de contrôle lui une droit de signature qui pour qui ça pas bon haïtien qui a droit de signature ni pour commander ni pour aucun chèque directeur financier aucun directeur pas un droit de signature dans Natcom. Il va possible non moun qui te gagne en fait depuis l'autre avant que pour encore depuis avant dans Natcom yo kembe le comme ça pour c'est Natcom qui cap encore pour moun pour yo même yo ka toujours un comme yo dirigeant pour ça nous va quand même demander pour situation et c'est peut-être ça n'a privé là nous pour arriver là me faire sénateur pour faut qu'en confiance l'a toujours rivé côté le parce que depuis nous enquête et même j'ont enquête BMBAD enquête toujours rivé côté mouvé. D'accord, sénateur Foucan, continue à atterrir. Sénateur Foucan, depuis nos bagages, il va y en prendre blocus lui-même. La pas atterri, côté le gain pour l'atterrir. Maintenant, n'a pas prendre au mot. Sénateur Hervé Foucan, département sud, pays d'Haïti. Gion escombrite, qui pétait là, dans cimetière Port-au-Prince. Moun qui connaît escombrite là, puis bien, notamment de nous passer dans la radio avec une bagaille la clé ou de le coq parce que moi-même et information parmi eux t'as besoin qu'on ait est-ce que nous-mêmes identique avec pas nous ça qui passe je dis qu'on cimetière gagne un cimetière dans Port-au-Prince on gros cave ça veut les caves la guerrière mais un nèg qui fait le tourné péristyle il fait le tourné péristyle c'est là le fait activité mystique li mais le temps entre yon moun al fè yon degré mystique et puis pendant degré a moun a esprit a fin descend et puis le kankane moun nan et kankane moun nan donc moun nan moui moun nan boit le boucher nan men li sans le parler les jus de paix pou ta fè constat cadavre là li même en groupe on y été en confiolo probablement avec chef sécurité cimetière là. Il prend un cadavre, il mettait non morgue dans la capitale. La morgue, là, il travaille, il travaille, il va bien citer, non, il va y avoir du job à faire, il crée l'eau. Si là, il y a un monde mourir, il va pas manger. Donc, il va gagner pour eux. Ouais, il va pas obtenir, tuer le monde. Donc, bagay ça, bah, il m'a choué gonflé, ou nous, dans ce métier Port-au-Prince, notamment dès que, pour un monde qui te vive de l'âme, passer dans la radio avant le journal la fini, mais l'expliquer, il est pas dans le téléphone pour une chita, puis expliquer, mon courant de l'âme, déjà. Bon, l'autre événement, qui passait, et l'incident s'est arrivé, et c'est avant hier samedi, dans Grand Gouave. Et c'est un policier qui a affecté Grand Gouave, dans le cadre d'une patrouille. Bob nous identifie un nègre qui a semblé gagner une âme sous lit, sous une plage qui relait le Gaillant. Le Gaillant, à cause d'un geste étranger saint, il fait, pendant la parette là, nous approchons, nous demandons de lever maillot. Toute commande nous balio, li pa obéi ak yo. C'est même moment nous wè un député Grand Gouave là, Jean-Marcel Lumérant, on connaît député ça non li son effort dans tout vieil événement nous connecté passé en bas mais chasse police c'est lui qui a porté la mayole. Qui paraît comme ça ça arrive pas ici. Qui paraît à tout groupe bon est-ce que mes chimé en bas utiliser non policier comme c'est qu'on soit écrit qui paraît à tout groupe chimel sous nous. Et puis qui opposait à ça la police oui la police on est bol en main dans une plage à 11 âmes suspectes sous lit policier au pral pour questionner nèg là député à équipe li paraît dit pas gain ça pas gain a comme ça qu'a bien fait là pendant monsieur gain temps maîtriser nous pral prendre âmes non et nèg pas prendre pression député assemblé il dit oh li pap aller. OK, yo di nou pa prend yo reta prend zam nan, OK, on prend zam de là. Depuis avant non, policier ça ou garçon sou yo, on est tourné les éléments c'est vraiment pas tout. Aba nou plus détails sur ça et conseil équipe yo. Paris.com, des invités au fait qu'on est, yo pa gen aucune autorité sur administration finance compagnie hein. Fritz Kayo avec Jean-Marie Altema, nan micro Enchel Adrien.
Un gouvernement, c'est manager au Parlement. Nous recevons une invitation du Sénat pour nous répondre à l'invitation. Dans ce moment, il était question de soumettre un rapport et de la COM à la commission du Sénat. Et c'est ça nous fait là. Nous venons, nous produisons un rapport, là, le rapport que nous recevons de la COM, là, à la commission Sénat. Et même comme dit-nous bien que le ministère des Travaux publics et le fondateur, nous avons un rôle juste de régulateur. Nous pas rentrer dans aucune question qui vient très aux finances. Toute question de rapport à finances, c'est la DGI, le ministère des Finances et la BRH. Là, nous responsables des normes, des principes, aussi simples que ça. Bon, Jean-Ministre a expliqué, c'est que pour l'attel, c'est organe de régulation du secteur des télécommunications. Donc, sous invitation Sénat, commission, le ministère des Travaux publics a demandé pour nous fournir information ça de NATCOM. Donc, ce que nous avons fait, nous avons écrit NATCOM officiellement. Et NATCOM soumettre un rapport en fonction de ça, et commission Sénat a demandé. Donc, et comme régulateur, nous ne pouvons pas vérifier, pour nous auditer un rapport financier pour nous dire qu'il faut que j'ai un acte comment fonctionner au niveau interne. Comme régulateur, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que, et Jean ministre a expliqué là, nous gagnons la BRH qui représente l'État haïtien au sein de la NATCOM. Et c'est BRH qui gagne et contrôle ça, qui est capable de dire est-ce que le rapport ça, que bah, là, si vous voulez auditer, si vous voulez contrôler, il revient à la BRH, nous-mêmes au niveau du Conatel. Donc, nous fait travail de régulation que la loi autorise de faire. Nous allons aller dans Gonaïve avec Eric Julien, côté Vierge La Philippe, 50 l'année, maman agent sécurité magistrat de Duna, Ernst Saint-Far, mouré pour y aller, pendant soirée vendredi 7 avril long. Après un groupe nègre qui gagne en tête, il y a un certain plop-plop, tape cherché à assassiner magistrat. Action ça a passé en présence de petite fille victime non, qui est déclarée, c'est à cause de tape cherché magistrat, sécurité, il y a pas joué.